Je vais maintenant céder la parole à M. Carl Plante de la MRC de l'ERA. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des citoyens présents aujourd'hui pour prendre part à cette importante consultation publique sur l'élaboration du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de l'Érable. Collectivement, vous serez appelés à participer à la réflexion sur les stratégies que la MRC de l'Érable doit adopter à l'échelle de son territoire pour atteindre d'ici 2032 les engagements de conservation qui seront désignés dans ce plan. Ainsi, je me permets de rappeler pour la MRC qu'il s'agit simplement d'un plan qui est non réglementaire, dont on souhaite l'atteinte des objectifs d'ici les 10 prochaines années. Il s'agit donc d'élaborer une vision à long terme qui permettra à notre MRC de toujours mieux planifier ses actions d'aménagement, de développement et de conservation de ses milieux naturels. Notez qu'une fois ce plan déposé en septembre 2021, la MRC fera tout en son pouvoir pour communiquer et faire connaître ses intentions aux citoyens et aux propriétaires de la MRC qui seront potentiellement affectés par la démarche. D'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui que la communication, l'aspect communication est un volet important qu'on aura l'occasion d'aborder ensemble plus tard dans la rencontre. Donc, ceux-ci, c'est-à-dire les propriétaires, seront accompagnés dans le but de trouver le meilleur moyen d'agir pour un développement conciliant la conservation des milieux naturels avec toutes les autres activités qui peuvent potentiellement être présentes sur un territoire rural comme le nôtre. En terminant, je vous rappelle que le PRMHH est une exigence établie par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques auxquels l'ensemble des MRC du Québec doivent souscrire. Donc, merci de contribuer à cette vision d'avenir pour la MRC de l'Érable. Alors, voilà, j'espère que vous passerez un bel après-midi en notre compagnie et que l'exercice sera des plus profitables pour tous. Alors, nous y sommes. Donc, le 23 juin, c'est le moment aujourd'hui de vous présenter un bilan et d'échanger sur les actions qui figurent au plan. Donc, ce sont dans un premier temps, dans le fond, la présentation va vous on va vous faire un bilan. C'est notre mandataire, le Conseil régional d'environnement, qui va vous présenter ce bilan-là. Et par la suite, ben là, ça va être intéressant. La majeure partie de la consultation va faire l'objet d'échanges avec vous sur les actions. J'espère que vous allez apprécier ce volet-là, puis que ça va être constructif d'échanger là-dessus ensemble. Donc, avant d'embarquer au loin dans la question du bilan, peut-être certains rappels, comme vous le voyez, comme c'est écrit à votre écran, on voit que le plan régional des milieux humides, c'est un document de planification. C'est un document de planification, ce n'est pas un règlement. Donc, chez nous, ce volet-là occupe une place importante. C'est les documents de planification sur les territoires, on en a de toutes les sortes. Là, on en rajoute un sur la pile, si vous me permettez l'expression. Le PRMHH, c'est un document qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques, ainsi que les milieux forestiers, dans l'aménagement durable du territoire, dans un esprit de cohérence. Donc, l'objectif également, c'est de comprendre les enjeux qui soutiennent la conservation des milieux naturels. On va voir qu'on a identifié des enjeux sur le territoire un peu plus loin. Ça va faire partie des diapos un peu plus loin. L'objectif également, c'est un volet majeur au document, c'est d'identifier des actions qui sauront intervenir sur le territoire. Euh,
Puis un petit rappel, là, ce document-là, c'est encadré en vertu de la loi sur l'eau. Donc, ça, c'est il faut rappeler ça, c'est une exigence de la part du gouvernement du Québec. Donc, l'objectif, c'est de tracer le chemin à parcourir pour arriver à conserver les milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de l'Érable d'ici 2032. Le mot « conserver » prend une importance particulière dans la MRC. On a un sens, on a une interprétation plutôt large de ce terme-là. On sera même d'en discuter plus tard. Et normalement, tous les documents là, sur lesquels on est appelé à travailler, il y a beaucoup de documents de consultation, beaucoup de documents d'information, énormément de stock, si vous me permettez l'expression, sur le site patrimoinenaturel.ca qu'on vous invite à parcourir. Alors, notre PRMHH prend en compte toute une dimension de milieu naturel. Ça peut comprendre les milieux humides, les milieux hydriques, mais également les milieux boisés, les friches, et on tient en compte également la connectivité. Je pense que intégrer ces différentes dimensions-là nous permettent d'avoir un portrait et des actions intégrées qui nous permettent d'avoir un aménagement du territoire durable et intégré. C'est vers là qu'on se dirige par la production de ce plan-là en conformité avec les exigences de la loi. Donc, le travail du PRMHH s'est amorcé en 2019 avec la réalisation d'un portrait et d'un diagnostic. Par la suite, ces documents ont servi à comprendre où nous en sommes actuellement au niveau de la conservation de nos milieux naturels. Ces informations-là ont été présentées progressivement. Là. Donc, on a eu une consultation publique, une séance avec vous le 15 février dernier. Ce portrait-là a également permis d'identifier des enjeux de conservation des milieux naturels au niveau du diagnostic. Donc, on a échangé ces questions-là avec vous le 15 avril dernier. Puis, préalablement, en 2020, dans le fond, en 2020, on a réfléchi à la situation qu'on souhaite atteindre, quels objectifs on souhaite atteindre dans les 10 prochaines années. Donc, par la suite, on a identifié une vision, des orientations pour guider nos actions. Ces informations-là ont été présentées dernièrement, le 15 mai, là, avec vous, là, lors d'une autre séance. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est rendu au plan d'action et on amorce une période intéressante là, qui va durer aujourd'hui. Puis également, on aura une période où on pourra recueillir aussi des commentaires, des observations avec vous. On a prévu d'autres rencontres avec vous peut-être plus ciblé. Le travail n'est pas terminé. C'est un travail qui est en constante évolution, si je peux dire. C'est l'intérêt de ce plan-là, c'est qu'on module le contenu au fur et à mesure qu'on peut vous consulter ou échanger avec vous, recueillir vos commentaires. Alors, pour chaque étape de la démarche, plusieurs personnes ont été consultées. En premier, on a mis en place un comité de coordination qui est formé des MRC. Ensuite, il y a eu un comité d'experts formé d'intervenants des organismes de la région qui nous ont permis de formuler des observations à un niveau technique intéressant, d'apporter des précisions, des changements sur le contenu. Le comité stratégique est plutôt formé d'élus des MRC puis de représentants élus d'organismes régionaux qui ont été également intégrés à la démarche dans le cadre d'un aspect plus politique. Et ces informations-là, ainsi obtenues, ont été soumises à différents organes ou comités des MRC formés parfois élus, c'est-à-dire d'élus et d'employés de personnel technique des MRC, parfois d'organismes locaux ou régionaux,
Donc, finalement, en brassant tout ça, si on peut dire, on arrive à ensuite de ça, à de la production de documents et à de la consultation, de l'information auprès du public. Donc, suite à la rencontre d'aujourd'hui, on aura une période avec vous de consultation où on pourra recueillir à nouveau vos commentaires là, sur le contenu. Alors voilà, ça fait un bref résumé, très bref résumé du chemin parcouru jusqu'à maintenant. J'aurais le goût maintenant de vous laisser entre les bons soins de Mme Andréane Blais, là, qui est directrice générale du Conseil régional de l'environnement, notre mandataire, pour la suite en partie de la présentation. Merci beaucoup, Carl. Donc, j'ai comme objectif de vous présenter un résumé de l'ensemble des informations qui vous ont été partagées au courant des derniers webinaires mentionnés par Carl précédemment. L'ensemble des informations se trouve toujours sur le site patrimoinenaturel.ca en document préliminaire. Comme Carl l'a mentionné, c'est un projet qui évolue toujours jusqu'en septembre, donc différentes corrections sont apportées au document. Donc, au niveau du bilan, on vous rappelle, donc c'est des informations qu'on vous avait déjà présentées. Ici, la répartition des milieux humides du territoire de la MRC de l'Érable, soit 19% du territoire, majoritairement répartie dans les basses terres du Saint-Laurent, comme on peut le voir sur la carte, avec des milieux humides un peu plus isolés et plus petits dans les Appalaches. Et c'est aussi en grande partie des milieux humides dits forestiers, donc des marécages et des tourbières boisées. Au niveau de la MRC, on constate ici par les bassins versants inscrits en vert, c'est des bassins versants où le seuil de superficie de milieu humide est plus faible. Donc, dans la MRC de l'Érable, on n'en a pas beaucoup. On a le bassin versant qui est plus au sud de la MRC, qu'on nomme là A44. Donc, ce bassin versant a moins de 2% de sa superficie en milieu humide, au même titre que le bassin versant A28 qu'on voit à l'est. Sinon, le restant des bassins versants là, sont au-dessus des seuils souhaitables en matière de milieu humide. Et ici, on peut voir dans chacun des bassins versants les milieux humides de plus grande superficie. Donc, chaque bassin versant qui est délimité par une ligne noire, la MRC est délimitée par une ligne pointillée noire. Donc, dans chaque bassin versant, il y a un milieu humide de plus grande superficie d'identifier. On vous avait présenté aussi au mois d'avril la résultante des fonctions écologiques des différents milieux humides. Donc, on a évalué 6 critères de fonctions écologiques. Donc, une fonction écologique, en résumé, c'est ce que le milieu humide effectue comme travail. Donc, c'est sa contribution à rendre certains services à la société, entre autres, et d'autres fonctions qui servent à équilibrer nos grands écosystèmes. Donc, on a identifié ici les fonctions de biodiversité, de capacité de recharge des eaux souterraines, la rétention des eaux de surface, captage des éléments polluants, stabilisation des rives et séquestration de carbone. Donc, quand le milieu est en bleu, c'est que ce milieu contribue de façon quand même considérable à cette fonction. Et quand il est en rouge, le milieu contribue de façon moins considérable à cette fonction. On a aussi évalué dans le portrait l'ensemble des perturbations qui affectent les milieux humides. Donc ici, on peut voir les 4 affectations qui viennent faire de la perturbation et parfois même des pertes de milieux humides sur le territoire. Il y a le développement de la canneberge qui est constaté au niveau de la MRC. Le drainage à des fins forestières. Ici, on peut voir là, certains drainages pour éventuellement de la plantation. Le développement résidentiel dans certains secteurs et aussi la présence des sablières carrières qui viennent affecter par l'apport en sédimentation, mais aussi le développement agricole conventionnel qui, historiquement, on peut le voir sur certaines cartes, là, présence encore pédologique de certains milieux humides. Donc, de l'ensemble de ces milieux humides, ici, on peut voir sur la carte les milieux humides qui sont le plus perturbés. Donc, on n'a pas affiché les milieux humides perdus. Les données historiques actuelles n'ont pas été consultées dans le cadre de l'exercice. Donc, ici, on peut voir les perturbations actuelles majeures. Donc, c'est sûr qu'il y a plus
que ceux qu'on voit qui sont perturbés, mais ici, on a tenté d'afficher vraiment ceux qui avaient des plus grandes perturbations. Au niveau des milieux hydriques, la MRC est traversée par 4 bassins versants, soit la Nicolet, la Bécancour, la Duchesne et la Petite Rivière Duchesne. L'ensemble de ces cours d'eau représente un circuit de 2167 km, donc environ 2000 km de cours d'eau. On a évalué 3 critères de fonction écologique pour ces cours d'eau. Ici, on peut voir la fonction écologique de stabilisation des rives. Donc, plus que le cours d'eau est bleu, plus que ce cours d'eau offre une bonne stabilisation par la végétation. Ça se peut que le cours d'eau soit instable malgré la végétation présente, due à d'autres contraintes morphologiques, quantité d'eau, usage du sol à proximité. Donc, cet indice représente vraiment la contribution potentielle au niveau de la végétalisation des rives. Par la suite, on a fait un indice de la qualité morphologique. Donc, ça, c'est vraiment un indice qui vient noter la qualité physique, la qualité vivante du cours d'eau. Donc, comment le cours d'eau se comporte dans le temps selon son cadre et les composantes qui l'entourent. Et dans l'ensemble des cours d'eau analysés au centre du Québec, c'est la MRC de l'Érable qui avait le tronçon le plus affecté, soit dans le secteur de la municipalité de Plessisville, au niveau de la rivière Bourbon. Par la suite, on a analysé un troisième critère qui est un critère de fonction écologique de support de la biodiversité. Donc, on constate en bleu, c'est les cours d'eau, notamment ici, le plus au sud de la MRC, c'est les cours d'eau qui viennent contribuer à la biodiversité du territoire. En rouge, c'est ceux qui contribuent de façon moindre. Ce critère-là est évalué en fonction du tracé morphologique du cours d'eau et de la végétalisation présente. Donc, plus qu'un cours d'eau est sinueux et végétalisé, plus qu'ils offrent des habitats à la faune et la flore. Donc, on a aussi évalué les cours d'eau perturbés. Donc, ici, on constate sur la carte, au niveau de la MRC de l'Érable, l'ensemble des cours d'eau qui semblent être perturbés ou qui le sont. Donc, il y a eu une évaluation par photo-interprétation, validation terrain, compilation des connaissances régionales pour bâtir cette carte. Finalement, l'ensemble de ces perturbations amène parfois des qualités de l'eau qui sont à la baisse. Donc, on constate ici 2 points d'échantillonnage de l'eau du ministère. Il y a beaucoup d'autres points d'échantillonnage d'eau. Ils sont inclus dans le portrait. Aujourd'hui, pour simplifier, on a juste présenté ceux du ministère. Donc, on voit une qualité, mauvaise qualité de l'eau et une qualité douteuse dans un autre secteur de la MRC. Au niveau des lacs, entre William et Joseph, on a une qualité de l'eau qui est satisfaisante et à l'embouchure du lac Joseph aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. C'est un portrait généralisé. Donc, on vous invite à aller consulter les données plus détaillées au niveau du portrait. Au niveau de la superficie forestière, la MRC comprend une bonne superficie, soit 60 % de la MRC qui est en couvert forestier, dont plusieurs milieux humides, des marécages et des tourbières. Parmi les bassins versants qui ont le moins de couvert forestier dans la MRC, ici, on remarque 2 bassins versants qui ont moins de 30 % de leur couvert forestier au niveau du bassin versant. Pour les fonctions écologiques, on a analysé 4 fonctions écologiques, soit la séquestration de carbone, la rétention des eaux, le captage des éléments polluants et la biodiversité. Donc, on constate l'ensemble des résultats qui sont disponibles aussi sur le site Internet, si vous voulez les consulter. Finalement, au niveau du portrait, on a aussi analysé la superficie des friches afin de combler la perte des oiseaux champêtres, qui est la catégorie d'oiseaux qui est la plus en déclin au niveau mondial. Donc, la MRC a une superficie d'environ 3 % au niveau des friches. L'ensemble du portrait a amené la MRC à établir un diagnostic. Donc, les éléments qui sont positifs en matière de conservation et les éléments qui sont moins positifs en matière de conservation. Donc, les forces, ici, on vous présente la carte. Donc, le diagnostic est illustré sous forme de carte. La première carte qu'on vous présente, c'est une carte qui présente les sites protégés légalement, donc les sites qui sont déjà en aire protégée.
Il y a aussi des milieux naturels identifiés par une municipalité comme étant des milieux naturels d'intérêt, soit au niveau social, ça peut être des parcs, ça peut être des forêts qui sont utilisées par les citoyens. Les espèces et les milieux qui sont rares, donc il y a eu une sélection des habitats d'espèces menacées vulnérables. Les milieux humides de grande superficie, ça c'est la carte que je vous ai présentée tantôt, les grands cours d'eau et les milieux naturels qui ont des grandes fonctions écologiques, ça c'est les cartes que je vous ai présentées tantôt. Et particulièrement aussi pour le territoire de la MRC de l'érable, les terres publiques ont aussi été intégrées là, au niveau de cette sélection. Donc ici, on vous présente la carte des territoires, des milieux naturels qui présentent un potentiel d'intérêt écologique, donc ce qu'on pourrait appeler la carte des milieux à protéger, à espérer protéger dans les prochaines années. Donc vous avez là, la répartition de ces milieux. Par la suite, au niveau du diagnostic, on est allé cibler les milieux naturels perturbés, ce qu'on peut aussi appeler les milieux naturels à restaurer. Donc, c'est ce qu'on appelle la carte de restauration. Donc, c'est les milieux humides et hydriques qui sont perturbés. C'est les cartes que je vous ai présentées tantôt. C'est les sites ciblés à restaurer par une municipalité. Donc, les municipalités, lors de la tournée, nous ont mentionné certains milieux qui présentaient vraiment des déficiences, soit des cours d'eau qui débordaient ou qui se décrochaient souvent. Les milieux hydriques aussi qui sont entretenus de façon récurrente ou que la MRC retourne régulièrement. Donc, voici la carte produite au niveau des milieux naturels présentant des perturbations potentielles dans la MRC de l'érable. Un milieu protégé peut superposer un milieu à restaurer. Par exemple, dans la MRC, il y a des milieux à protéger pour l'habitat de la tortue des bois. Mais dans l'habitat de la tortue des bois, certaines perturbations sont notées. Donc, ça se peut que deux superpositions soient présentes. Finalement, on a aussi identifié des bassins versants prioritaires. Donc, c'est des bassins versants où que des actions de création et des actions de conservation aussi seraient nécessaires sur le territoire. Donc, c'est, on pourrait dire que c'est le bilan de l'ensemble des informations là, qui sont présenté là, en matière de priorisation là, des actions. Donc, je vais repasser la parole à Carl pour la suite des choses. Oui, alors, merci, Andréanne. Concernant les enjeux, il y a 6 enjeux principaux qui ont été identifiés suite aux travaux des derniers mois. Le premier qui est revenu, qui a été identifié comme étant se démarquant, c'est la résilience des communautés, des écosystèmes au changement climatique et éventuellement les potentielles actions d'adaptation et de lutte contre ces changements climatiques-là. Il y a également comme deuxième enjeu la quantité et la qualité de l'eau qui est revenue constamment, cette dimension-là. Par la suite, le troisième enjeu, c'est le maintien de la biodiversité et de l'intégrité de la connectivité écologique. Par la suite, le quatrième, on a l'utilisation durable des forêts sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques. Et le cinquième, c'est la gouvernance et les actions innovantes en conservation. Celui-là est important. Il occupe une place particulière, je dirais, pour la MRC de l'érable. Ensuite, le sixième, c'est l'éducation face à la connaissance des milieux naturels et l'acquisition de connaissances, qui est également un enjeu très important là, qui se distingue peut-être des 4 premiers. Alors, suite à ces enjeux-là, il y a une vision qui avait été définie au sein de la MRC. C'est qu'en 2032, la conservation des milieux naturels, en parallèle aux actions pour faire face au changement climatique, sont au cœur du développement territorial de la région de l'Érable. L'audace et la connaissance en aménagement du territoire permettent de développer l'agriculture, la foresterie et les milieux urbanisés de manière durable et consciencieuse, ce qui fait rayonner la MRC et ses municipalités. Cette cohérence en aménagement permet d'assurer la pérennité des fonctions et services écologiques, économiques et sociaux des milieux naturels. Donc, la vision de la MRC implique toujours la notion de développement là, pour les,
les municipalités de la MRC, les élus de la MRC, cette dimension-là est toujours présente et doit être présente. Maintenant, donc, dans les orientations là, qui sous-tendent la vision, on dénote que, bon, ben, comme une première orientation, on conserverait, on peut dire qu'on a un objectif de conserver un 45 % du territoire là, de la MRC Terrapes. Ça pourrait se traduire, étant donné qu'on a une orientation qui nous vise à protéger un 17 % du territoire de la MRC de l'Érable, qu'on a une orientation qui nous vise à, qui vise à restaurer ou créer un 5 % de territoire, bien, ça nous amène à établir une cible de conservation de 45 % des milieux naturels, de la 45 % du territoire de la MRC de l'Érable. Alors ensuite, on a une orientation qui vise à assurer une cohérence dans la gouvernance, une cohérence et équitable dans la conservation des milieux humides, hydriques et forestiers. On a une orientation qui vise à favoriser une gestion durable de l'aménagement du territoire et du développement urbain et agricole. On a une volonté claire également de s'adapter et de lutter contre les changements climatiques. Et dans le fond, c'est une orientation qui est un peu transversale, là, cette dernière là, que je viens de vous énoncer, là, qui peut se transposer dans différentes sphères. Là. Donc, on est rendu à la période de consultation pour le plan d'action qui a été développé avec c'est la MRC avec son comité interne qui a développé un plan d'action. Donc, le plan d'action s'oriente sur les trois grandes orientations présentées par Carl précédemment. Donc, les objectifs qui guident le plan d'action ont eux aussi développé par le comité interne de la MRC. Donc, au niveau de la conservation, d'ici 2032, protéger 17 % du territoire. D'ici 2032, assurer l'adoption de pratiques d'utilisation durable sur 45 % du territoire. D'ici 2032, assurer la restauration et la création de milieux naturels sur 5 % du territoire. Au niveau de la gouvernance, d'ici 2028, informer 50 % des citoyens de la MRC en lien avec la conservation. D'ici 2028, supporter l'ensemble des milieux des municipalités au niveau de l'application du PRMHHN. D'ici 2032, collaborer avec plus de 6 partenaires externes de différents milieux pour assurer la conservation. De plus, d'ici 2032, adopter l'aménagement du territoire en zone urbaine pour l'ensemble des municipalités dans le but d'intégrer la conservation des milieux naturels. Au niveau des changements climatiques, d'ici 2028, informer 50 % des citoyens de la MRC en lien avec les changements climatiques. D'ici 2032, adopter des mesures d'adaptation au changement climatique dans 50 % des municipalités de la MRC. Donc, on remarque l'ensemble des objectifs là, qui soutiennent les orientations, des objectifs qui sont chiffrés au niveau de l'échéancier. Donc, la mise en œuvre, l'atteinte de ces objectifs-là va passer par 4 stratégies. Donc, la première stratégie qui apparaît en bas de l'écran, c'est l'acquisition de connaissances. Donc, la MRC souhaite, pour certains objectifs, aller acquérir de plus amples connaissances afin de mieux définir les actions qui vont être mises en œuvre au courant soit des 10 prochaines années ou de l'option 2 du PRMHH. En 2032, ça va être la deuxième édition du PRMHH. Donc, certains objectifs qui ne seront peut-être pas atteints ou ceux qui vont mériter une meilleure compréhension seront peut-être mieux définis là, à partir de 2032. Donc, il y a une acquisition de connaissances qui est visée par la MRC. Un développement d'outils. Donc, suite à l'acquisition de connaissances, les outils manquants, les outils nécessaires à l'atteinte de ces objectifs seront développés au courant des prochaines années. Un accompagnement afin que ces outils atterrissent convenablement aux mains de ceux qui vont les utiliser. Et finalement, une option réglementaire qui est obligatoire. Donc, on constate que la MRC, par l'atteinte des objectifs et des 4 stratégies, qu'il va avoir un cheminement à travers ces stratégies.
Dépendamment de la volonté de la MRC, la réglementation peut arriver dans plusieurs années. Hein. C'est dans les 10 prochaines années que tout ça va se concrétiser. Selon certains objectifs, il peut y avoir de la réglementation qui est urgente de mettre en œuvre selon les enjeux. Et dans d'autres situations, la réglementation pourrait aussi être développée dans 4, 5, 6, 7, 8 ans, peut-être même 10 ans, c'est 10 ans le plan d'action. Donc, la MRC souhaite, par son plan d'action, cheminer à travers ces 4 grandes stratégies de conservation. Donc, afin de connaître votre opinion sur les différentes actions dans chacune des catégories pour l'atteinte des objectifs, on va vous demander vos idées. Donc, à chacune des stratégies, on va y aller en 4 blocs. Donc, vous allez être divisé de façon aléatoire dans des chambres afin de nous partager vos idées en lien avec l'acquisition des connaissances. Donc, vous allez vous mettre dans la peau de la MRC et dire quelles connaissances il nous manque actuellement pour parfaire, dans le fond, détailler notre plan d'action dans les prochaines années, comprendre comment les objectifs peuvent être atteints et quelles connaissances on doit aller développer. Suite à quoi, on va revenir en grand groupe, partager les éléments majeurs dans chacune des chambres et nous allons aller par la suite discuter des développements des outils, refaire le même mécanisme pour l'accompagnement et le même mécanisme au niveau de la réglementation. Dans chacune des chambres, lorsque vous allez avoir émis vos opinions, la MRC va vous proposer les actions qu'elle a de façon préliminaire écrite. Ça ne veut pas dire que toutes ces actions-là vont rester. C'est ce qui vous est proposé. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir comment la conciliation entre vos idées et ceux de la MRC peut se concrétiser. Donc, on vous demande de toujours demeurer respectueux. Les animateurs et animatrices peuvent vous demander de sortir de la chambre là, si les propos ne sont pas adéquats. On vous demande aussi des interventions brèves afin de laisser l'ensemble des participants s'exprimer. Un deuxième tour de parole pourra, ou un troisième, être autorisé là, si l'ensemble des participants ont passé ou si tout le monde a émis leurs commentaires. Donc, Marie-Claude, est-ce que tu me confirmes, est-ce qu'il va y avoir trois chambres? Il va y avoir trois chambres de réaliser. Donc, Marc-Claude, je te laisse lancer les chambres. Vous allez être dirigé automatiquement. Donc, au niveau de l'acquisition de connaissances, la MRC veut appuyer les démarches visant à valider les milieux naturels à protéger et à restaurer. Donc, dans les prochaines années, avant que la carte devienne une carte éventuellement réglementaire, ils veulent aller valider là, les milieux afin de bien préciser cette carte-là. Améliorer les connaissances concernant l'évolution historique ainsi que les fonctions écologiques des cours d'eau. Donc, de mieux voir comment nos cours d'eau là, apportent là, au niveau des fonctions écologiques. Documenter les menaces sur les milieux naturels. Appuyer les démarches visant à documenter la séquestration de carbone. Et réaliser une étude économique et sociale sur l'utilisation durable et la protection. Déterminer les bonnes pratiques de restauration ou de création. Déterminer les bonnes pratiques à encourager en utilisation durable tout en définissant les pratiques à intégrer. Améliorer les connaissances sur les bénéfices des milieux naturels pour le milieu agricole, forestier, urbain et la ressource en eau, ainsi que la résilience face au changement climatique. Donc ça, c'est les actions. Il y en a-tu d'autres? Non, c'est les actions qu'elle propose en acquisition de connaissances. Donc, on voit qu'il y en a certaines qui viennent rejoindre vos propos, mais je note quand même là, en acquisition de connaissances, ça va peut-être revenir plus loin, mais ce que M. Fortier a mentionné, là, de porter une acquisition de connaissances pour l'externe et pas juste acquérir des connaissances à la MRC, mais que les propriétaires puissent en acquérir aussi sur la démarche. Merci beaucoup. Donc, on est revenu en grand groupe. J'espère que les discussions ont été intéressantes. On va faire un tour de table rapide à travers les groupes. Donc, on peut, je vais commencer le bal là, juste pour donner le ton. Donc, nous, au niveau de notre groupe, l'acquisition de connaissances s'est portée sur deux volets importants. L'acquisition de connaissances par la MRC afin de prendre le temps de bien statuer sur les impacts économiques, écologiques et sociaux
et d'adopter la réglementation éventuellement dans plusieurs années, là, plus dans les 6, 7, 8 dernières années, afin d'avoir la connaissance adéquate pour établir convenablement la réglementation. Donc, acquisition de connaissances sur les milieux humides, les milieux hydriques notamment. Et il y avait un autre volet d'acquisition de connaissances qui était plus porté sur outiller les gens concernés par l'évolution de la démarche, donc d'intégrer autant les producteurs que les propriétaires divers dans l'acquisition de connaissances en lien avec la démarche. Donc de s'assurer là, que la démarche au courant des 10 prochaines années soit bien comprise là, des différents intervenants. Donc, je vais passer à l'équipe de Luc. Pas de Luc, de Carl. Merci, Andréane. Ben, si tu me permets, Carl. Ah, Yannick. c'est correct, oui. Dans le fond, de notre côté, tu sais, beaucoup d'échanges intéressants. Peut-être dans les idées qui sont sorties, là, c'est de peut-être avoir de la connaissance sur les potentiels agricoles des friches. Les milieux acéricoles aussi, puis les cultures déclarées là, par la financière. Ça, c'est un élément qui est ressorti au début. Un autre élément, il y avait de préciser la précision de la fameuse carte là, des milieux humides, là, d'avoir une meilleure connaissance terrain avec de la validation terrain également pour avoir une meilleure idée là, de la précision des données. On a également discuté aussi sur une meilleure connaissance de la clientèle, des propriétaires de terrain, dans le fond, pour qu'ils puissent s'accaparer, si on veut, là, tout le projet. Là. Donc, la clientèle forestière, la clientèle agricole, évidemment. Donc, un autre élément. Et on a peut-être parlé aussi de l'importance de transmettre l'information, là, mais ça va peut-être plus dans l'information plus tard. Fait que ça fait le tour des points de notre côté, dans notre salle. Merci beaucoup, Yannick. On va passer la parole à Andrea. Oui, donc de notre côté, là, on a touché pas mal d'aspects, là, pas juste acquisition de connaissances, mais en résumé, là, il est considéré comme important de venir valider là, plus précisément au niveau du terrain là, les milieux naturels qui sont à protéger et à restaurer, puis où ils se trouvent là, clairement. De développer des cartes qui sont plus précises et vraiment connaître les intentions là, au niveau des milieux qui sont à conserver. Il y a des inquiétudes qui ont été soulevées au niveau des objectifs qui sont considérés là, un peu trop ambitieux. Puis, dans le fond, ils souhaitaient que l'utilisation durable, la protection, la création et la restauration là, soient expliquer plus clairement là, dans un document. Que peut-être qu'au niveau des connaissances, là, au niveau de la séquestration carbone, ça devrait être fait à plus grande échelle. Oh, on t'entend mal, Andrea. Ton micro présente des problèmes techniques, donc je vais te laisser ajuster ton micro. Je pense que ça fait quand même un bon topo là, des discussions que vous avez eues. Je rappelle encore une fois là, que tous les propos que vous donnez sont super intéressants parce qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur du deux ans et demi qui avait été octroyé, parce que la MRC de l'érable, il faut comprendre qu'elle a commencé sa démarche avant dans les premières MRC et l'entente qui avait été signée avec le ministère, c'était une entente de 2 ans qui se terminait en septembre. Donc, ce n'était pas une volonté des MRC d'accélérer le processus. Là. C'est que l'entente de financement et l'entente de donner le livrable s'octroyait jusqu'en septembre. Il y a eu un prolongement jusqu'en juin prochain là, pour les MRC là, qui se joignaient à la démarche aussi. Je voulais juste mentionner là, que dans ce 2 ans-là que le ministère a octroyé par entente pour la réalisation des paramachages au MRC, les MRC n'ont pas souhaité aller caractériser tous les milieux naturels sur le territoire parce que, comme on mentionnait dans la chambre tantôt avec Léo, ça fait des années qu'il caractérise les cours d'eau puis il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines.
Donc, ça prend du temps, caractériser les milieux naturels. Puis c'est pour ça que le ministère donne un délai de 10 ans à la réalisation des PRMHH. Donc, c'est important de comprendre qu'avant même d'adopter de la réglementation, il va y avoir plusieurs étapes d'acquisition de connaissances pour bien ficeler les intentions. Donc, la réglementation, selon l'enjeu, peut aller là, dans plusieurs années dans ce 10 ans. Donc, je rappelle que c'est important que tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est vraiment important parce que vous êtes en train de vraiment bien proposer les suites d'actions à réaliser selon vos intentions là, dans les 10 prochaines années. Donc, merci beaucoup. C'est des propositions très intéressantes que vous apportez. On va aller à la deuxième étape, soit le développement des outils. Donc, une fois qu'on a acquis, là, mettons qu'on est déjà dans 4-5 ans d'ici, on a acquis l'information nécessaire, quel outil va être nécessaire de développer pour tenter d'atteindre nos objectifs peut-être que les objectifs, il faut s'entendre que les objectifs, la MRC ne vise pas les atteindre que par la réglementation. Il y a beaucoup d'outils volontaires, des outils d'accompagnement qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça ne passera pas tout par la réglementation. De toute façon, on va peut-être le voir dans plusieurs années. Donc, gardons en tête que maintenant, on est dans le développement d'outils. Je vous invite à ne pas parler de réglementation parce que le volet réglementation va arriver vers la fin des ateliers. Donc, on demeure encore dans le développement d'outils nécessaires à l'atteinte des objectifs. Donc, on vous invite à aller en chambre de nouveau. Toujours, vous allez voir, ça va changer. Là, c'est des chambres aléatoires. Donc, je vous partage les actions proposées. Donc, mettre en place un mécanisme d'investissement massif dans l'acquisition de milieux naturels à des fins de conservation. Donc, la MRC aimerait acquérir certains milieux là, que les propriétaires sont contraints et ils souhaiteraient là, vendre leur terrain afin d'en acquérir d'autres qui ont moins de contraintes. Prendre en charge ou à la charge commune avec les autres MRC un organisme de conservation afin de faciliter ces acquisitions. Développer et soutenir des projets de protection. Évaluer la possibilité d'offrir certains incitatifs pour encourager la conservation des friches. Évaluer la possibilité d'établir un réseau d'aires protégées et d'utilisation durable. Donc, ça, c'est des sites qui seraient en protection, mais il y aurait, comme on l'a vu là, à l'île Bizarre en fin de semaine, des paysages humanisés. Produire un plan, parce que pour la MRC de l'érable, il y a un aspect particulier, là, c'est qu'il considère dans la conservation l'utilisation durable du terrain. Donc, le changement d'usage, comme par exemple la production de camberge, serait incluse dans l'utilisation durable. Lorsqu'elle intègre des actions de mitigation, par exemple, des espaces fleuris, des bandes riveraines un peu plus larges. Donc, cet aspect-là serait considéré là, dans ce qu'on appelle l'utilisation durable. Produire un plan de communication pour rejoindre toute la population et conscientiser les individus. Appuyer des projets collectifs de résilience face aux cours d'eau et aux risques qui y sont associés. Je vais aller voir. Ah, il y en a d'autres. Établir une clé décisionnelle sur les impacts des projets de drainage, développer des outils pour aménager certaines friches, encourager la restauration et la création des milieux humides hydriques, structurer un programme pour assurer que les projets de restauration et création correspondent aux besoins des enjeux priorisés, réaliser et mettre en œuvre un plan de lutte aux îlots de chaleur et favoriser le retrait des infrastructures dans les zones inondables et les bandes riveraines. Donc, bon retour une deuxième fois. J'espère que le virtuel ne vous étourdit pas trop. Donc, on va y aller des commentaires. Je vais commencer par notre chambre. Donc, au niveau des développements d'outils, évidemment, tout le plan amène certaines craintes, mais ce qu'on constate, c'est que peut-être qu'il manque d'informations sur notamment les visions souhaitées. Donc, un plan de communication et pour rejoindre et mobiliser les gens est essentiel dans les prochaines années afin vraiment de bien informer les gens qui se sentent informés afin de diminuer là, les craintes là, par rapport à la démarche. On a parlé aussi d'outils de compensation financière ou d'incitatifs à la conservation parce qu'on parlait surtout d'incitatifs pour les friches, mais d'élargir au niveau du volet conservation.
aussi de développer des outils comme des guides d'information qui seraient distribués soit par des séances d'information comme Zoom. On a mentionné qu'il y avait eu une formation sur les milieux humides cette semaine et que ça avait attiré beaucoup de gens. Donc, d'offrir des séances d'information puis d'y aller de façon graduelle pour permettre aux gens de comprendre l'ensemble de ces informations-là. Et finalement, on a parlé des cartes, comme quoi que ce n'était pas le summum non plus, là, que les cartes doivent être validées. Donc, c'est important que ces cartes-là ne soient pas nécessairement l'outil de prédilection là, pour prendre toutes les décisions. Donc, je vais passer à Yannick. Merci, Andréane. En fait, de notre côté, on a une bonne discussion aussi sur, au niveau du développement d'outils, là, par exemple, ce serait des fiches techniques, mais on a axé beaucoup sur le papier, pas nécessairement tout ce qui est numérique, mais développement d'outils, de fiches techniques pour l'interprétation commune, pour qu'on ait un peu tout le même langage, mais beaucoup papier qui est revenu, évidemment numérique. Un autre point, développement d'outils de communication avec les citoyens, ça, les propriétaires aussi, mais on revient avec le principe d'outils physiques pour être capable de rejoindre les gens. Aussi, ça serait peut-être, je me souviens, au niveau de la stratégie aussi, de ne pas simplement peut-être publier les affaires sur Internet, mais d'être capable de rejoindre via peut-être le papier. Il y a des municipalités qui ont des tableaux numériques. On a jasé de ça. L'importance de la communication aussi, concrètement avec les papiers. Là, donc, autant le avant, là, dans la situation actuelle, donc dans le processus de consultation qu'éventuellement après. On a mentionné peut-être le développement de bonnes pratiques, tu sais, puis de les bons coups qu'on fait déjà, tu sais, parce que là, on parle beaucoup de conservation, mais il se fait déjà des bonnes choses sur le territoire, puis de les mettre de l'avant. On a parlé de s'assurer de développer d'outils, là, de mécanismes de compensation aux besoins, puis peut-être toujours développer, peut-être mieux définir le concept là, de protection, de conservation, de protection et d'utilisation durable, de peut-être mieux le préciser à ce niveau-là. Puis on a parlé aussi d'outils pour tenir compte de la valeur des propriétés pour pas qu'il y ait un impact sur les municipalités par rapport à tout ça. Alors, de notre côté, ça fait le tour. Merci beaucoup, Yannick. Andrea? Et au niveau des outils, là, dans notre chambre, on a discuté de fournir un document clair de ce que les agriculteurs vont pouvoir faire et, ou ne pas faire, d'offrir une rétribution pour les services écologiques, de fournir un guide de bonnes pratiques qui va être vulgarisé puis disponible idéalement en ligne pour chacun des milieux dans lesquels la MRC souhaite intervenir. Et puis d'offrir des outils diversifiés, soit à l'aide de textes, de vidéos ou d'autres moyens. De proposer des journées de démonstration de bonnes pratiques avec des visites terrain dans les différents milieux, que ce soit forestier, agricole, etc. De développer des outils qui présentent comment réaliser un changement de vocation, mais de manière à respecter l'utilisation durable, puis de développer des outils pour définir c'est quoi clairement le concept de zéro perte nette. C'est à peu près ça. Merci beaucoup, Andrea. Donc, merci. On chemine, on est rendu peut-être, je ne veux pas donner d'échéancier, on est peut-être rendu à l'année 7, 6, 7 années d'ici notre échéancier. À ce moment-là, la MRC a acquis des connaissances, à développer des outils et maintenant doit les appliquer. Donc, quel accompagnement serait nécessaire pour bien, tu sais, on en a déjà entendu, donc quel accompagnement serait nécessaire pour bien accompagner les gens, comme on a mentionné dans notre salle. Peut-être que dans 6-7 ans d'ici, les connaissances, le développement des outils va nous permettre d'avoir déjà atteint une bonne proportion des cibles. Et qu'on ne serait même pas obligé d'aller dans du réglementaire ferme là, pour terminer le bal. Espérons-le, on ne sait pas vers où toutes ces actions vont nous mener dans les prochaines années, mais quel accompagnement, on est dans 6-7 années d'ici, serait nécessaire à mettre en place pour accompagner les gens vers la conservation et l'atteinte des objectifs. Donc, on retourne en salle, on vous laisse réfléchir.
Donc, encourager les actions de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire relativement à l'importance de la conservation des milieux naturels et travailler à les emmener en milieu naturel. Informer les propriétaires sur la présence de milieux humides, hydriques et naturels et sur les lois et règlements. Encourager l'adoption de saines pratiques en agro-environnement, en foresterie, en aménagement urbain et en gestion de l'eau. Démarche auprès des propriétaires ciblés par des milieux à protéger et restaurer pour les sensibiliser, les renseigner, dont les municipalités en premier lieu. Collaborer et assurer une meilleure coordination dans les projets de conservation avec les organismes du territoire. Et former les intervenants du milieu aux pratiques à adopter pour une meilleure adaptation au changement climatique. Donc, bon retour en grand groupe. On va faire un autre tour. Je pense que tout le monde a hâte d'aller dans le dernier volet. On se projette dans la réglementation par la suite. Donc, je vais y aller encore dans le même ordre. Nous, sur notre table au niveau de l'accompagnement, deux aspects intéressants. Le premier concerne peut-être plus l'acquisition de connaissances, mais il a été démontré que pour faire un bon accompagnement qui est efficace, il faut connaître la réalité du propriétaire, les problématiques qu'il vit à appliquer la réglementation actuelle et peut-être celle qui va être là dans quelques années. Donc, de comprendre adéquatement pour fournir un bon accompagnement et de comprendre adéquatement pour adapter la réglementation qui va peut-être être là dans les prochaines années. Et l'accompagnement doit se faire correctement. Il a été mentionné là, que ça prend une motivation hein, dans l'accompagnement. Il ne faut pas y aller en confrontation puis dans l'obligation. Il faut que ça soit un accompagnement qui est fait de façon réfléchie ou qu'il y a une belle collaboration là, dans cet accompagnement-là. On a aussi parlé au niveau des jeunes, à quel point que, notamment dans notre région, là, les jeunes peuvent être blessés par un accompagnement scolaire qui est inadéquat. Il y a beaucoup de jeunes qui proviennent de fermes, de production forestière, puis qui reviennent à la maison blessés par ce qui a été propagé au niveau d'une réalité qui n'est peut-être pas la nôtre en région. Donc, de faire, il a été proposé, non pas d'annuler l'action, mais de vraiment y aller par un accompagnement professionnel, comme à l'image de ce que l'Agence forestière avait offert avec les jeunes, de les emmener dans les milieux naturels et leur parler de ce qu'un forestier fait. Donc, de parler de la réalité régionale. Cette idée avait aussi été partagée. Et finalement, là, dans l'accompagnement, là, c'est peut-être d'accompagner les gens en leur disant que vous faites partie de la solution comme agriculteur et non pas comme des polluants ou des méchants qui avaient été mentionnés. Donc, de vraiment y aller en mode solution avec eux. Donc, c'est ce qui a été apporté au niveau de la table, de ma table. Je vais y aller avec Yannick. Et de notre côté, en fait, ce qui était mentionné, je vais y aller avec la liste. Là, dans le fond, essayer d'utiliser le plus possible l'expertise des organismes existants. Il y a déjà beaucoup de compétences. Au lieu de dédoubler quelque chose, là, les OBV, l'UPA, les clubs agro, il y a les associations comme la PCQ qui font déjà beaucoup de choses. Puis, c'est d'utiliser toutes ces ressources-là pour travailler un peu tout dans le même sens. Puis en même temps, un peu utiliser leur réseau de contact et tout là, pour faire cheminer l'information. Un autre élément aussi qui pourrait être de l'accompagnement, c'est montrer l'exemple de la MRC ou des municipalités. Tu sais, c'est dans les pratiques que ces municipalités-là font de bien le faire. Tu sais, puis là, on donnait l'exemple de la MRC sur les lots publics ou sur les lots qu'a fait des travaux forestiers. Puis ça pourrait aussi découler sur... lorsqu'on fait nous-mêmes à la MRC les travaux de cours d'eau et tout, c'est de montrer l'exemple. Ensuite de ça, de l'accompagnement au niveau des producteurs forestiers, on a peut-être pensé à cibler initialement les plus gros producteurs forestiers parce qu'ils ont un peu plus de superficie, de leur illustrer les bonnes pratiques et tout. Une meilleure collaboration entre la MRC, les municipalités, les organismes, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt. On a parlé de développer ou peut-être des outils pour informer les nouveaux propriétaires sur la présence de milieux humides ou la présence d'autres milieux hydriques et tout, et de peut-être de les accompagner aussi de visite terrain, d'être capable de les accompagner. Ça pourrait aller peut-être jusqu'à si on a des projets, de peut-être déterminer. Y a-t-il des cours d'eau? Y a-t-il des milieux humides sur ces terrains-là? Donc, un meilleur accompagnement à ce niveau-là.
Ce qui revient un peu aussi à l'accompagnement en amont. De pas, dans le fond, c'est d'aller en avant pour informer les gens puis de les accompagner, tout ça. Donc, puis on a jasé un petit peu sur les possibilités du compte de taxe municipale ou bien quand les gens sont nouveaux propriétaires puis ils reçoivent leur fameux taxe de bienvenue. T'sais, ça pourrait être un moyen. Puis, alors voilà, j'avais aussi noté accompagnement pour la protection. Oui, ça, c'est parce qu'on parlait des fois d'utilisation durable, mais ça serait peut-être aussi d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement des propriétaires si on veut faire de la protection, parce que simplement par la volonté, peut-être qu'on ne sera pas capable d'atteindre le 17 %. Donc, c'est vraiment de faire quasiment du démarchage. Là, c'est un peu ça, là, l'idée. Alors, voilà de notre côté. Merci, Yannick. On va y aller avec Andrea pour terminer. Oui, de notre côté, on a discuté des méthodes d'accompagnement. Donc, peut-être de venir plus exploiter là, des mécanismes d'accompagnement qui existent déjà puis qui ont démontré là, être efficaces. Également ressorti là, que ce serait intéressant une ressource spécifique à la MRC pour venir accompagner puis répondre aux questions des municipalités puis des propriétaires et autres. Mais pour ça, là, ça a vraiment pris une place importante là, dans notre discussion, c'est qu'il faut vraiment demander une aide financière là, au gouvernement. Un élément plus au niveau de l'acquisition de connaissances, là, ça serait de vraiment porter une attention particulière là, au partage des préoccupations de tout le monde, de venir mettre tout ça ensemble, puis de trouver des solutions tous ensemble. Puis au niveau plus des outils, c'est vraiment d'avoir un guichet unique là, entre les MRC pour certains éléments là, qui viennent se regrouper entre les différentes MRC. Puis dans ce guichet-là, là, ça pourrait être intéressant que les citoyens puissent contacter quelqu'un là, pour poser leurs questions. Merci, Andrea. Donc, on est rendu à notre dernière course vers la fin de cette consultation au niveau des stratégies de conservation. Donc, on va aller vers le volet réglementaire. Contrairement aux trois autres blocs, on n'aura pas, étant donné que ce bloc-là est quand même chargé, on n'ira pas vers une question ouverte, là, quelle serait selon vous la réglementation à intégrer, parce que tout le monde va dire ben, aucune. Donc, on va y aller directement vers les propositions que la MRC fait. Gardez en tête que c'est des propositions. Il n'y a rien d'adopté, il n'y a pas de résolution là-dessus. C'est des propositions qui sont faites. Donc, la MRC aimerait entendre là, vos réactions face à ces propositions-là. Et toujours, on se projette dans quelques années. Hein, c'est en septembre que ça, c'est adopté. Il faut que la MRC travaille à la rédaction, puis ils sont aussi encadrés par un processus légal de consultation. À chaque fois qu'ils modifient le schéma d'aménagement ou qu'ils adoptent des règlements ou qu'ils modifient certains règlements, il faut qu'il y ait en consultation publique, il faut que ça se publie dans les journaux. Bon, il y a une série de trucs légaux qu'il faut qu'ils suivent. Donc, gardez en tête que ça ne sera pas déposé là, au dépôt en septembre. On ne l'a peut-être pas mentionné, mais le dépôt en septembre, c'est un dépôt de commentaires au ministère. Donc, quand le PRMHH va être déposé, le ministère va le reviser et va faire une consultation interministérielle. Donc, la MRC va recevoir des commentaires du ministère de l'Environnement et de plusieurs ministères et elle va devoir adapter son PRMHH suite à la réception de ces commentaires-là. Donc, c'est important de comprendre que le PRMHH ne sera pas dans sa version finale en septembre. La version finale va être publiée peut-être dans un an ou deux, là, dépendamment comment que le ministère prend de temps à fournir ses commentaires et comment que la MRC prend de temps à reviser son PRMHH. Donc, sa version finale va peut-être être publiée en septembre 2022 ou 2023, là, on ne sait pas. Donc, voilà, ça n'avait pas été mentionné, mais on voulait le rappeler. Donc, on y va. Marc-Claude, on lance les salles à l'instant. Donc, bonjour. Bonjour, M. Brochu. C'est le fun de vous avoir dans notre salle. Donc, je vais ouvrir la liste des participants. On va voir s'il y a des nouveaux participants avec moi, puis Anaïs. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir à cette dernière partie. Donc, je vous partage l'écran. Dès maintenant.
Donc, la question est, considérant que la MRC doit intégrer à son schéma d'aménagement le PRMHHN et adopter un règlement de contrôle intérimaire, que pensez-vous des intentions de proposition suivante? Donc, on commence par le schéma d'aménagement. Donc, là, il est demandé dans la loi, je pense que c'est l'article 15.6 de la loi sur l'eau, que la MRC arrime son schéma d'aménagement avec les objectifs du PRMH. Donc, la MRC souhaiterait, par cet arrimage, identifier des milieux d'intérêt régional. Donc, ça ne veut pas dire que ces milieux-là seraient nécessairement réglementés. Ici, c'est marqué qu'il y aurait une identification des milieux d'intérêt régional et autres. Là, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le autre qui est indiqué. Revoir l'affectation conservation. Donc, la MRC a actuellement une affectation dite conservation. Et il aimerait la revoir afin de s'assurer qu'elle répond aux nouvelles réalités et l'égalité. Ceux qui sont au courant, il y a eu l'adoption du projet de loi 67 qui amène certaines nouvelles réalités au niveau des zones de conservation. Là. Donc, la MRC aimerait mettre son schéma à jour au niveau des nouvelles légalités. Favoriser la densification et l'intensification de l'occupation du sol en périmètre urbain, en plus de favoriser le réaménagement et la requalification des terrains vacants et sous-utilisés. Et finalement, il y aurait une disposition particulière aux documents complémentaires, mais il n'y a pas plus de détails à savoir. Là, dans le fond, la MRC n'a pas été plus loin là, au niveau du contenu. Ce qu'elle dit, c'est juste qu'elle aimerait qu'il y ait une disposition particulière concernant les milieux humides, hydriques et naturels. Je peux vous présenter le règlement de contrôle intérimaire qui est aussi obligatoire. Donc, adopter et appliquer un règlement de contrôle intérimaire, lui, il serait juste appliqué au milieu humide et hydrique. Donc, les forêts, friches, ne rentreraient pas dans ce règlement-là selon leur intention. Et ça serait, le règlement porterait sur analyser la possibilité d'adopter un outil encadrant les saines pratiques de rétention de l'eau et étudier la possibilité d'identifier des zones de production forestière intensive et sa pertinence. Donc, ça, c'est les deux intentions fixées par le règlement de contrôle intérimaire jusqu'à maintenant dans leur plan d'action. Parfait. Donc, on va aller avec une autre intention. Donc, au niveau du règlement d'abattage d'arbres, la MRC souhaite adapter le règlement sur l'abattage d'arbres afin de soutenir la conservation des milieux naturels prioritaires et encadrer le changement de vocation. Adapter le règlement sur l'abattage d'arbres pour soutenir le reboisement des bandes riveraines, des secteurs de connectivité et des espaces de liberté des cours. Est-ce qu'il y a d'autres? Sinon, il nous en reste encore deux, donc j'y vais, il ne reste plus beaucoup de temps. Évaluer les problèmes d'application des normes qui remplaceront la politique de protection des rives et proposer un plan de gestion pour résoudre les problèmes soulevés. Avec le PL 67, le projet de loi, là, le ministère est venu emmener un nouveau cadre de gestion des rives. Ce nouveau cadre va emmener des problématiques d'application. Donc, la MRC souhaite là, venir mieux encadrer par un plan de gestion, réviser la réglementation sur l'écoulement des eaux, réglementer la gestion des eaux pluviales, élaborer et mettre en œuvre un programme de conformité des bandes riveraines, adapter un cadre normatif des milieux humides et hydriques anthropiques, encadrer les mesures liées à l'extraction de certaines ressources naturelles dans les milieux naturels de la MRC, simplifier les procédures pour des infractions environnementales. Donc, on y va déjà au niveau du tour de table. Donc, le premier point qui est revenu souvent, c'était le manque de clarté, de précision sur les intentions. Donc, la question a été posée, est-ce que vous préféreriez avoir des intentions plus claires rapidement ou de prendre un temps de concertation sur quelques années pour bien développer ces intentions? Donc là, le consensus n'était pas nécessairement là. Mais toutefois, le fait que c'est des intentions générales laissait transparaître un manque de transparence dans les volontés de la MRC. Donc ça a été mentionné. Non, ce qui a été mentionné, ça serait que éventuellement, quand tout ça va être développé, qu'il y ait une certaine forme de malléabilité pour assurer différents types de développement.
Aussi, que les préoccupations des gens face à ce qui va être développé soient entendues. Donc, l'importance là, de prendre le temps peut-être de se concerter pour entendre les préoccupations des gens dans les prochaines années. Et aussi, encore là, c'est peut-être que les gens souhaitaient peut-être que les gens souhaitaient qu'il y ait déjà un règlement de rédigé, mais il n'y a pas eu de concertation pour ce faire. Mais encore là, ça a été mentionné, la difficulté de juger là, actuellement de ce qui était proposé, étant donné que ce n'est pas assez défini. Donc voilà, au niveau de notre table, je vais y aller avec Yannick. Merci, Andréane. Ben, en fait, ça ressemble beaucoup à ça, nous aussi. On parlait de concertation, en fait, de prendre en compte, d'avoir des discussions avec les partenaires dans la rédaction du RCI, en fait. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui va être dedans. Puis de participer, si on veut, à cette rédaction, un peu comme le faisait dans le passé, un petit peu là, dans d'autres exercices. Il y a eu un petit questionnement sur la faisabilité là, de peut-être d'inclure des zones de production intensive là, au niveau forestière. Là. C'est peut-être la difficulté à appliquer, mais t'sais, bon, une discussion là-dessus. Un questionnement aussi sur l'échéancier t'sais, à adopter. T'sais, est-ce que ça va être adopté dans 5, 6 ans, 7 ans ou l'année prochaine? Mais t'sais, la réponse pour le moment, c'est on n'a pas d'échéancier. Fait que c'est difficile de répondre pour le moment. Puis, une autre inquiétude peut-être sur les délais d'adoption, là, des précisions en fait sur peut-être le processus d'adoption et sur les mesures qui pourraient se retrouver à l'intérieur du RCI. Donc, de notre côté, ça fait le tour des notes que j'ai prises. Parfait, merci Yannick. Je pense qu'on comprend que les gens s'attendaient à ce que le PRMHH soit l'élaboration d'un règlement, ce qui n'était pas le cas. Là. Depuis le début, on mentionne là, que, comme Carl l'a dit, là, c'est le plan qui va mener à l'élaboration. Donc, peut-être certaines déceptions aujourd'hui de ne pas voir ce contenu-là, espérant que les autres actions présentées permettent de mieux cadrer là, ce qui va s'en venir dans les prochaines années. Donc, Andrea, on va terminer avec toi. De notre côté, il est ressorti que la réglementation sur la forêt résiliente là, devrait plus être un accompagnement et ne devrait vraiment pas être réglementaire. Ce serait bien aussi d'encadrer les canneberges pour justement que ce soit assuré là, que la production soit permise, qu'il y ait des compensations financières s'il y a perte de territoire. Il y a eu un commentaire au niveau du fait que le volet réglementaire est assez gros et peut-être même trop gros là, pour être réaliste. Puis que ça pourrait être difficile là, pour les MRC d'appliquer tout ça. Il y a aussi eu, de façon similaire à vos commentaires, là, que c'était plutôt difficile là, de se prononcer là-dessus puisque c'est des actions assez larges. De s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement d'action. Puis vraiment devenir... Ça a été déjà mentionné aussi, là, mais de venir préciser là, qu'est-ce qu'on entend par conservation, puis de le répéter, puis de s'assurer là, que tout le monde le comprenne de la même façon. Merci beaucoup, Andrea. Donc, ça fait un bon tour. J'espère que vous avez apprécié les discussions d'aujourd'hui. C'est une première discussion, c'est pas la première, mais sur le plan d'action. Je suis sûre qu'il y a d'autres discussions sur le plan d'action qui vont suivre dans les prochaines années. Parfait. Donc, on vous remercie et on vous invite là, à aller visiter les documents sur le site Internet. Je laisse le dernier mot à Carl pour la fin de la journée. Merci beaucoup, Andréane. Écoutez, j'espère que le mode qu'on a choisi aujourd'hui vous a quand même plu. On comprend que le PRMHH, c'est quand même quelque chose de volumineux, de gros, pas juste de volumineux, mais de complexe. Mais je pense qu'il y a... du côté de la MRC, vraiment une volonté d'écouter les propositions, les commentaires de tout le monde. Pour ma part, j'ai trouvé l'exercice aujourd'hui fort intéressant. J'espère que ça a été la même chose du côté de votre côté, de tout le monde. Puis, comme Andréane le mentionnait, je vous encourage fortement
prendre connaissance des documents, mais aussi ça peut être nous contacter à la MRC pour signifier certaines préoccupations, des oublis ou des bonifications, vraiment des enjeux peut-être majeurs qui pourraient mériter une attention particulière, sans doute. Puis comme je le disais, la démarche, comme Yannick à notre table l'a fait, je ne sais pas si ça a été mentionné suffisamment dans les autres salles, mais le plan qui est en élaboration, c'est comme un document de travail qui est en constante évolution, tout ça. Puis oui, il va être adopté à un moment donné, mais il y aura une première étude de la part du ministère. Puis il est en élaboration progressive, il est en construction, puis on souhaite vous rencontrer et recueillir encore des commentaires. J'ai mentionné à notre table qu'on allait faire des rencontres physiques, là, idéalement relativement court terme avec certaines organisations pour pouvoir prendre le pouls. Donc, on essaye de bonifier le processus là, jusqu'au bout. Donc, sur ce, en tout cas, je vous remercie énormément de votre participation aujourd'hui. C'est quand même une rencontre assez lourde, là, assez exigeante. Et, je vous remercie des échanges constructifs qu'on a eus ensemble. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la suite ou à formuler des commentaires.